Allez, la Silver Space et bienvenue les amis dans Piggy. C'est le livre 2. Nous allons continuer l'aventure et nous devons, après avoir, je pense, un souvenir d'une arrestation, nous allons maintenant dans un magasin chercher des piles pour faire fonctionner une vieille radio. C'est parti les amis. Souvenez-vous, on vient pour les piles et on s'en va d'ici. Ok? D'accord, mais si je trouve des carottes, je les prends avec moi. Ok. C'est quoi le plan alors? J'espère que les carottes seront pas périmées avec depuis le temps. Elle veut une pile. Oh la vache, elle veut tellement de trucs. Une pile ou de l'herbe. D'accord, de l'herbe. Et là, c'est quoi? Une télécommande? Non mais attends, il faut trop de trucs. Ok, là on peut passer par là. Une pile ou de l'herbe, une pile ou de l'herbe, une pile ou de l'herbe. On voit rien. On est d'accord? Ah, y'a Piggy. Je pourrais bouger ça si j'avais plus d'énergie. Ok. Qu'est-ce que... Clé verte. Wouah! Salut mon gars! Oh la serrure! Oh bien, wesh! Quoi, faut des ciseaux? Est-ce que c'est comme ça qu'on obtient de l'herbe? Je n'ai aucune idée. Ok, on est dans l'Apple Store. Faut un million d'objets, faut des télécommandes, je pense. Là, il y a le parking. Y'a des objets ici? Non, y'a rien. Ok, bon, c'est énervé comme jamais là. Et là, c'est un cul-de-sac. Vaut mieux pas que je m'y bloque. On va aller à droite. Rien sur le banc. Rien ici. Oui, toi, je sais que tu veux de la carotte, mais. Moi, déjà, je veux des objets. Ça c'est pas fermé. Pas d'objet. Oh la vache, je suis mal hein. Clé orange. C'est où déjà? C'est dans le magasin je crois. Je crois que c'est à droite là, non? Oui. J'ai la clé rouge. Clé rouge. C'est où déjà? Ça va être là je crois. Ouais c'est là. Génial. Je suis mort. Waouh. Incroyable. Improbable. Il y a une carotte et de l'herbe. Vas-y. Merci. Bien joué. Pff, et l'esquive de fou là. T'es où toi? T'es là. Bien wesh. Y'a un truc là, c'est quoi? Les ciseaux? Ah non, la télécommande. Non mais genre faut des marches et tout ici. Non mais please. Ok. Ok, maintenant c'est ouvert partout. Ah, télécommande! Télécommande aussi là. Ok, ça va déverrouiller ce coffre. Et là, c'est là aussi, non? Oui. Ok, donc je pense que j'ai déverrouillé un coffre. Toujours pas? C'est ouvert? C'est ouvert.
clé dorée. Il est où le coffre? Il est là. L'échelle. Attends, il y avait les ciseaux pas très loin. Wop. J'ai l'échelle. C'est bon, c'est posé. J'ai la pile. Et il y a de l'herbe. Ok, bon. On va y avoir la pile. Et après, faut retrouver les ciseaux, là. Attends, mais j'ai la pile, c'est bon, on s'en va. T'es où, grand-mère? T'es là. Ok. Ça veut dire quoi? Il faut que je redonne de l'herbe? Attends, faut que je retrouve où était la paire de ciseaux. C'est pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas là. C'est pas au niveau de la carotte. Parce que là, il y avait rien. Oh nom de nom. Je sais pas où c'est. Reste 4 minutes. 4 minutes et il faut que je retrouve ces ciseaux. Qui sont je ne sais où. Ok, bleu ciel. Je te laisse bureau. Clé dorée. Là, lui, je l'ai aidé. Il m'a semblé voir des ciseaux, non? C'était pas là? Bah mince, alors. Parce qu'ils sont pas à l'étage, hein, je crois pas. Je retente, au cas où. Ah, là, il y a de l'herbe. On va le prendre. On va redonner. On va redonner l'herbe. Allez, t'es là. T'es là. Voilà. Alors, les ciseaux. Parce que les ciseaux, en fait, ils vont nous donner la clé violette. Ça, j'ai compris. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ah là ! Let's go. Let's go. C'est bon, on l'a. J'ai préféré tout ouvrir au cas où. C'est gagné, je pense. Je pense que c'est gagné. Je sais pas par où on part, par contre. C'est bon. On a les batteries. Sortons d'ici. C'est bon. Genre. Oh. On s'est gavé. Ah, regarde qui est de retour. Je t'avais dit qu'il reviendrait bientôt. T'inquiète pas, Girafi. Un marché est un marché. Bon, maintenant il faut que je cuisine pour toute la semaine. Ah, il avait parié qu'on rentrerait pas. On a les piles. Est-ce que la radio est prête? Bien sûr qu'elle l'est. Allez, mettons-la en marche. Écoutez. Hein? Aucun signal? Allô? On m'entend? Vous êtes sûr que ça marche? Bienvenue! Je suis quelqu'un d'autre! Ici le 7.6 qui parle! Vous êtes qui? Waouh! C'est une safe place! Comment je peux vous aider? Oh, on recherche quelqu'un! On recherche des communautés pour faire des échanges! On aimerait vous rencontrer! Où est-ce que vous voulez qu'on vous retrouve? Rencontrez-nous! Au Vieux-Chan! Le parc du Vieux-Chan! Ok. J'ai l'impression qu'on a perdu le signal. Il y a un petit qui nous a entendu là-bas. On devrait les rencontrer. On vit ensemble depuis des mois et on n'a pas vu d'autres survivants. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On ne sait rien à propos de ces gens-là. J'avoue, l'abri numéro 6, on sait pas qui c'est, quoi. Est-ce que c'est une de tes autres blagues, Pony? Non, Girafi, je suis sérieux. On a aucune idée de qui sont ces gens.
Et je ne veux pas... Je n'ai aucune raison de, leur faire confiance pour le moment. Je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'on devrait leur faire confiance. Mais je pense quand même qu'on devrait les vérifier. Hein? Mais tu ne peux pas y aller, Zizi. On ne sait pas qui sont ces gens. Pony. Je sais qu'on peut gérer ça nous-mêmes. Si on aura un problème, on sait comment s'en sortir. Zizi a raison. Après tout, vous deux vous êtes battus contre une armée d'infestés. Rien que vous deux. À l'usine. Et à la centrale, pardon. Ouais, j'imagine. J'ai un mauvais pressentiment, mais bon, on va quand même essayer. Très bien. Il est temps d'aller voir de nouveaux visages. Qui reste? Moi, il faut que je reste. Il faut que j'aille collecter le plus de choses possible avant que l'hiver arrive. Je vais essayer de... rester ici et de voir si je peux en apprendre plus sur cette radio. Ok. On dirait que c'est encore nous trois cette fois-ci. Très bien. Allons rencontrer d'autres survivants. Wouah! Attends, ça continue? Bienvenue dans le camping! Vous êtes sûr que c'est le bon endroit? Je n'ai vu personne. Il y a quelqu'un à gauche. Mon bien. Regardez-moi ces visages familiers. Oh non. Ah, mais c'est pour ça qu'on a eu le flashback, ok. Pony, un ancien membre. C'est une honte que tu nous aies quittés. Tu étais un bon ami. Vraiment dommage. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. Overspace. L'inspecteur qui m'a enlevé de ma famille alors que j'essayais de les nourrir. Tu as dû te sentir bien, hein? Après m'avoir arraché de ceux que j'aimais. Et qui que tu sois, tu es certainement quelqu'un que je n'ai jamais vu avant. Tu ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais tout à propos de toi et de ton équipe de malades. Ah ouais, j'imagine que Pony t'a tout dit, c'est ça? C'était un de ses grands défauts. Il était incapable de garder sa bouche fermée. Qu'allons-nous faire maintenant? Oh, je sais. On prend le zèbre avec nous. On va laisser pourrir les deux autres ici. Non! Laisse-la tranquille! Wow! Tiens-toi tranquille, le cheval. Je n'ai pas envie de blesser quelqu'un. Je la prends juste elle, pour quelques questions, c'est tout. Tout va bien, Pony. Je vais rester en sécurité. Et je ferai attention, je te le promets. Tu vois? Même elle, elle comprend mieux que toi. Sortons d'ici, maintenant. Zizi, je... Non! Ce sont les pattes d'argent. Quand l'infection a eu lieu, j'avais besoin de trouver un groupe. Malheureusement, j'ai été bloqué avec eux. Ils font des choses horribles. J'avais trop peur de partir. Mais, qu'est-ce qui t'a poussé à partir alors finalement? C'est une histoire pour un autre temps. Il faut que nous sauvions Zizi avant qu'il soit trop tard, Overspace. On devrait pas le dire aux autres? On n'a pas le temps, Overspace. J'ai besoin de toi, maintenant. Je ne peux pas le faire tout seul. Très bien. Suivons-les, alors. Let's go! Et ben, les amis, bombardez-moi cette barre de like si vous êtes content d'avoir vu l'épisode 2 du livre 2. Et nous allons nous retrouver très vite pour la suite de cette aventure, les amis. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien et surtout, gardez votre swag. Allez, salut!